surtout une super période de ma vie. Bon, c'est ça, c'est plein de bons souvenirs. Dernière mêlée pour Lionel Nallet à l'occasion de l'ultime rencontre de la saison ce samedi face à Grenoble. Le deuxième ligne du Loup prendra pour la dernière fois le brassard de capitaine. Passé par Bourgoin-Castres, le Racing Métro et arrivé à Lyon en 2012, l'international aux 74 sélections avec le 15 de France mettra en effet un terme à sa riche carrière ce week-end. Je vais tourner la page dans l'immédiat pour la simple raison que je suis sur les terrains depuis longtemps, j'ai les week-ends qui sont pris depuis très longtemps aussi, donc j'ai envie de passer un peu de temps en famille. J'ai plein de belles choses à faire derrière, des nouveaux challenges, des choses nouvelles pour moi, donc qui me motivent. Si une gloire du rugby s'en va, une autre la remplacera. Malgré sa relégation en Pro D2, le Loup met le paquet pour retrouver l'élite en réalisant un gros coup. Le club a en effet annoncé l'arrivée de l'ailier clermontois Napoléoni Nalaga, pourtant pressenti à Toulon. Le Fidjien, auteur de 80 essais en 130 matchs de top 14, rejoint ainsi à Lyon son coéquipier de l'ASM Julien Bonner, sous la houlette du nouvel entraîneur Pierre Mignoni.